ce grand afterwork, le 7e anniversaire des afterworks, dans un lieu juste extraordinaire, le Centre des Expos du Mans, dans le Forum. Alors il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance, vous le voyez. C'est une soirée extraordinaire pour les 10 ans également de Friendly Time. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'animation également. Vous voyez, on est déjà rentré dans le cœur du sujet avec le groom Mister O là, qui est en train de mettre le feu total au centre des expositions. Avant, on avait le DJ Jazz qui nous vient de Nantes. Voilà, de Nantes. On a également donc Mister O, puis ensuite des DJ, donc des grands DJ, des DJ Fun Radio. On va voir le DJ Lumberjack, on va voir le DJ Means qui nous vient du Métropolis à Paris. Et notre DJ préféré, le DJ du Mans, DJ Dance. Une grande soirée, deux belles anniversaires. On y va, c'est maintenant. Les rouges ou les jaunes, le meilleur clapping, attention, soyez concentrés. Ceux qui sont assis derrière, est-ce que vous pouvez vous lever et taper avec nous? Attention, c'est parti. Yeah. Ah non, mais suivez, quoi. C'est un gros bordel, là. On se concentre, il y a 500 bouteilles en jeu. On reprend. Eh bien, on se retrouve au cœur de la soirée. Je suis avec l'un de nos partenaires sur cet événement, l'un des top partenaires, le salon Karinka. Alors, Karine, c'est une première pour toi, un afterwork? Ça, c'est une première. Alors, tu te rends compte que tu es sur le plus grand des afterworks jamais fait en Sarthe? C'est juste énorme. C'est énorme, là. Il y a du monde, c'est génial, il y a de l'ambiance, c'est top. Alors, le salon Karinka, ça représente quoi au Mans? Ça représente quoi? Déjà un peu de nouveauté parce qu'on offre pas mal de choses, de maquillage semi-permanent qui se développe très très bien. Et puis un concept un peu libre-service, voilà, où les femmes peuvent se coiffer elles-mêmes si après une couleur ou des mèches, c'est un peu innovant. Et ici, alors là, sur l'afterwork, qu'est-ce que tu proposes aux gens? Parce que j'ai vu des gens qui viennent un petit peu sur ton atelier là, qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce que vous faites? Alors là, on peut se faire coiffer, on peut se faire maquiller, pose de fossiles. Et puis voilà, toutes les explications sur ce qu'on propose un peu de nouveau sur le Mans. Super. Eh bien, écoute, c'est un plaisir. J'ai vu beaucoup de monde passer à ton stand. Moi, ça me fait plaisir que tu puisses être mis en avant sur un événement comme celui-ci. Puis ben, je te dis à très bientôt sur de nouvelles aventures. Il n'y a pas de soucis. À bientôt, Fiabe.
Park au centre des expositions du Mans. Je suis avec un tout nouveau partenaire, avec un tout nouveau concept, Delivit. C'est ça, tout à fait. Le nom Delivit, c'est sur le Mans en ce moment, ça va bientôt arriver. Le concept, il est très simple, on va livrer les meilleurs restaurants du Mans, les plats des meilleurs restaurants du Mans, excusez-moi, à domicile des gens ou au bureau. Voilà. Et alors, c'est un peu le service qu'il y avait à Paris qui arrive un petit peu au Mans, sous un autre nom. C'est ça, tout à fait. Le projet, on ne l'a pas inventé. Il était déjà exporté sur les villes, les grandes villes comme Paris, Bordeaux, etc. Mais on veut développer le Mans et on essaye de le développer au mieux avec cette Delivit. Ok, alors, comment ça se passe sur cette After Work? Qu'est-ce que vous proposez? Quelle mise en avant un petit peu? On propose directement, on fait une publicité ici, on s'est installé sur un stand. L'application sera disponible mi-juin. Voilà, commandée sur l'application, sur l'Apple Store et l'Android. Voilà, donc ce sera disponible bientôt. Super, en tout cas j'ai vu pas mal de monde passer à votre stand, c'est une belle réussite. Ça a permis de rencontrer différents partenaires, de nouer des contacts et puis de faire découvrir l'application aux clients. Voilà. Super, et ben merci beaucoup, merci à tous les deux, et puis bah amusez-vous encore. Hein. Juste une petite dernière phrase, notre mission est de vous livrer rapidement des délicieux plats du Mans. Voilà, juste à retenir. Voilà. Et le nom, Delivit. Merci, à bientôt, merci. Eh bien, nous arrivons au terme de la soirée, une soirée d'anthologie, vraiment quelque chose de mémorable, je crois. Alors, je suis en compagnie de Florence, responsable du Centre des Expos. Alors, Florence, comment s'est passée cette soirée? Bah, écoute, c'était dément. Je pense que nos invités sont ravis. On a fait le plein, hein, je crois, oui. Qu'on était pas mal. Hein. Ah, oui. Honnêtement, ça nous arrive pas très souvent d'avoir une ambiance comme celle-ci dans le forum. On est surtout sur des événements d'entreprise. Là, on était sur de l'événement grand public, donc ça s'est donné à fond et c'était top. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de toutes les animations qui sont succédées? Parce qu'il y avait vraiment des choses assez différentes, mais à la fois complémentaires par rapport au type de soirée. Bah, écoute, c'est monté crescendo, c'était parfait. Tu les as pris par surprise à la fin. Là, le petit coup du rideau qui tombe et le DJ derrière qui a lancé grave, hein, c'était parfait. Ouais, c'est clair que là, j'ai regardé les gens et c'était magique parce qu'ils n'ont rien compris en fait. C'est ça, c'est ce qu'on voulait. Hein. On avait réfléchi avec... C'était top, c'est ce qu'on voulait. C'est que d'un coup, ça s'est mis la salle au noir et qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un bug. Et puis non, d'un coup, c'est parti. Non, c'était top. Non, vraiment, pour les 7 ans d'After Work et pour les 10 ans de Friendly Time, je pouvais pas rêver mieux comme anniversaire. Moi, je tiens vraiment à remercier chaleureusement tous les gens du Centre des Expos. Évidemment, Julien, toi, Florence, Nathalie, Teddy, tout le monde, vous avez œuvré vraiment magnifiquement sur un événement qui n'est pas forcément simple à mettre en place, qui est différent de ce que vous faites d'habitude, mais comme quoi, difficile de vous prendre à revers parce que vous savez tout faire, quoi. Bon, on essaye en tout cas. Bon, en tout cas, travailler avec toi, ça a été un plaisir, mais en même temps, un sacré parcours et une sacrée aventure. C'est toujours un peu compliqué, hein, mais parce qu'on sait, enfin moi je sais où je veux aller, donc voilà, mais on a quand même un super résultat à la fin. On est allé où on voulait ensemble finalement, donc c'est parti gagné. Nous on voulait démontrer aussi tout notre savoir-faire et toi tu as voulu faire une belle soirée d'anniversaire. Bah, écoute, je crois qu'on est rentré dans nos objectifs tous les deux, donc c'est parfait. Merci, merci, et puis bah à très vite. We'll be right back.
We'll be right back.